Good morgen, allez, Idan et Nessus, aujourd'hui le Nishmat, Abraham Mordechai, Ben Yisrek, Befani David, Ben Sorto, de Mazal Fritna, Edouard Batester, si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étions Maseret Ktubot, Perek Yud Gimel Mishnah Yud, Shalosh Aratzot la Nisu'in, Yehuda, ve Ever Ayarden, ve Hagalin, En Motzin, Meir Lair, ou Mikrach Lekrach, Aval Beota Haaretz, Motzin, Meir Lair, ou Mikrach Lekrach. אבל לא מאיר לכרח ולא מכרח לעיר. מוסין מנווה הרעה לנווה היפה, אבל לא מנווה היפה לנווה הרעה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף לא מנווה רעה לנווה יפה, מפני שהנווה היפה בודק. On change de sujet là maintenant, on s'intéresse à savoir, question très actuelle sûrement chez certains, ils vivent en France, ils veulent venir en Israël, ils vivent dans une ville, ils veulent changer de ville. Lui, il veut, la femme ne veut pas. Est-ce que la femme a le devoir de suivre le mari? Quoi qu'il arrive, on ne parle pas de forcer quelqu'un, mais on parle juste que si toutefois, elle ne veut pas le suivre, et lui veut, s'il est dans son droit, alors il lui dit, ma chère, je te donne un guet sans Ktouba. Et si elle est dans son droit, elle lui dit, tu me donnes mon guet avec Ktouba. D'accord? Ouais, on va forcer personne, c'est pas la question. C'est juste que, bon, qui est en droit de réclamer à l'autre qui le suive? Et sinon, il divorce avec ou sans payer, avec ou sans Ktouba. Alors sur ça, la Mishnah elle va nous expliquer comme ça. D'abord, je vais traduire la première partie de la Mishnah. Après, on va l'expliquer un petit peu mieux, on va la structurer. Shalosh Aratzot Lanisuin. On distingue trois terres. Trois régions en Israël. On va parler en Israël. Je ne sais pas comment ensuite on adapte ça dans la Halakha concrètement. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça se trouve dans le Even Ezer, Siman Ainhe. Étudiez là-bas si vous voulez. En tout cas, on parle maintenant d'Eretz Israël, on distingue trois terres dans plein de sujets de Halakhot, de la Gemara, de la Mishnah. On distingue toujours trois régions, même dans Baba Batra, ceux qui s'en souviennent pour les Trazakar. Il y a Yehuda, Ever Ayarden, Veha Galil. Le Galil, c'est la Galilée, la partie nord d'Israël. Ever Ayarden, c'est ce qui est de l'autre côté du Jourdain. C'est plus le, je sais pas si vous dire le Golan ou la Jordanie, en fait, qui était la partie d'Israël, une partie. La Syrie, une partie de la Syrie, une partie de la Jordanie, le plateau du Golan. Et l'autre côté, c'est Yehuda, c'est le Midbar Yehuda. C'est toute la partie sud d'Israël, d'accord? Et avec, depuis Yerushalayim jusqu'à la partie sud. Donc en fait, on a trois parties. Nord, Est, enfin, tout l'Est, en fait, c'était une bande assez longue, méga de Benanouven. L'autre côté, c'est le Galil. Et Yehuda, c'est tout le reste. Vous savez que Elat et tout ça, c'est pas Eretz Israël. Ouais, l'Eretz Israël, ça se finit à peu près à hauteur de Be'er Sheva. Et on trace un trait depuis la mer Morte jusqu'à à peu près à Ashkelon. Même Ashkelon, je crois que ça n'était pas partie d'Israël initialement, je ne sais pas exactement, c'est Eretz Pelishim très fréquemment, Ashkelon. On trace un trait comme ça, et c'est ça Eretz Israël, et tout le sud, là ensuite, on inclut Be'er Sheva, et puis ça c'est les limites d'Eretz Israël. C'était des sujets entre parenthèses très fréquents il y a encore peu de temps, quand on est encore dans la question de la Shemitah, ou qu'est-ce qu'on considère comme la Shemitah. Tous les kibbutzim et Niav et tout ça. Enfin, là n'est pas notre sujet, on vient tout de suite dans notre sujet. Donc on a dit, on a trois régions en Israël, d'accord? Yehuda, Ever Yarden, vers Galil. Alors attention. Ein motzin me'ir le'ir ou mikrach le'krach. D'une région à une région, on ne peut pas forcer une femme à nous suivre. Même si on va passer d'une ville à une ville, ou d'une grande ville, d'une métropole à une métropole. À Val de Otares, par contre, dans la même région, dans la même terre, dans la même région, alors Motsi in me ir le ir au mikrach le krach, on peut imposer de déménager d'une ville ou d'un village à une ville ou un village, donc de population et style de vie équivalente, ou bien encore mikrach le krach, d'une métropole à une métropole. À Valo me ir le krach, mais pas d'une petite ville à un krach. Un krach, c'est une ville, une grosse ville fortifiée où il y avait plein de marchés, où c'est. D'accord? Velo Mikrach Leir, c'est un peu comme la grande ville et la campagne. D'accord? C'est ça qu'on se pense à plutôt. On va dire le village et la grande ville. Velo Mikrach Leir, Velo Mikrach Leir, par contre, pas de la grande ville, pas de la petite ville. Ir, c'est une petite ville. Un krach, krach. Krach, ça vient du mot korer, comme korer, on appelle ça. Quelque chose qui est entouré, ça fait référence à une ville qui est fortifiée en général. C'est des grosses villes. Mais l'air, on ne fait pas changer d'une ville à l'autre. Ok, on explique un petit peu de quoi on parle, vous avez sûrement compris, qu'en fait, il y a un style de vie pour les paysans et les villageois, et un style de vie pour les urbains, d'accord, et les campagnards et les urbains, on va dire comme ça,
Quelqu'un qui grandit dans les grandes villes, il a un style de vie, il est tout le temps nerveux, il est agressif, il est. En plus de ça, il a la folie des grandeurs. Et celui qui vit dans la campagne, dans la petite ville, alors il a la vie beaucoup plus tranquille, sereine, il a moins la folie des grandeurs, il ne supporte pas le bruit, il supporte pas. Ouais, il aime sa petite vie, pépère, comme on dit. Alors, du coup, la Mishnah me dit, ça, quoi qu'il arrive, tu peux jamais faire passer d'un mode de vie à un autre mode de vie. La femme, elle peut toujours refuser. Moi, j'ai grandi à la campagne, on s'est marié quand on s'est resté dans la campagne, tu ne m'imposes pas maintenant de partir dans la grande ville, ça ne m'intéresse pas ce mode de vie, je veux rester dans la campagne. Ou inversement, elle vient de la grande ville, elle est obligée d'avoir du bruit, d'avoir des marchés, dès qu'on a besoin de quelque chose, on descend, on a le supermarché, on a le primeur, on a le truc, et elle ne supporte pas attendre qu'il va y avoir le petit forain qui va venir vendre ses 17 concombres et ses 14 tomates. Donc elle impose de rester dans la grande ville. Chacun, on ne la fait pas bouger. Par contre, dans un mode de vie équivalente, à même niveau, métropole, il peut lui imposer tant qu'on est dans la même région. Mais changer de région, on ne peut pas lui imposer à l'intérieur d'Israël. Passer d'Israël à Chutz La'aretz, de Chutz La'aretz à Israël, ce sera la prochaine Mishnah. Mais pour le moment, on est à l'intérieur d'Eretz Israël. Ok ? À l'intérieur d'Eretz Israël. Ensuite, à part ça maintenant, même d'une région à l'autre, excusez-moi, même d'une ville à une autre ville dans la même région, Motsin minaver ara'a lenavayafa, il peut lui imposer de quitter une belle maison, une petite demeure, pour une belle, pour une grande demeure, une belle maison, une plus grande maison. Par contre, à Valominaveayafa, lenavayafa, par contre, pas pour une belle demeure, pour passer dans une petite demeure. Genre, bon, on est probablement dans une grande ville, on a un 125 mètres carrés, très à l'aise, belle terrasse. Je lui dis, ouais, mais viens, on va un petit peu, maintenant, on va partir vivre dans un 70 mètres carrés. Aussi, non, elle peut pas, elle peut refuser, elle me dit, non, moi j'ai mon mode de vie, moi j'aime ma tranquillité, j'aime bien jouer au football et dans mon salon. D'accord? Elle peut imposer ça. Donc, pour plus, tu l'imposes de te suivre, moins tu ne peux plus l'imposer de te suivre. Sur ça, on a Rabban Shimon Ben Gamliel. Mais Rabban Shimon Ben Gamliel va nous dire, non, Aflomina Veira, les Neveira, enfin, même d'une petite maison à une grande maison, elle peut refuser. Pourquoi ? Mipnei chez Ayafa Bodek. Parce que la belle maison Bodek, alors le mot Bodek, je ne sais pas comment le traduire, parce que ça rend malade. D'accord ? Et en fait, c'est quoi ? En deux mots, c'est une grande règle. Shinui V7. Dès qu'on change de mode de vie, on commence à devenir malade. On a beau passer pour plus ou pour moins, on a notre petit train-train, on a notre truc, c'est vrai quand on vient de sortir des vacances en ce moment, en vacances on est toujours fatigué. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus en train de travailler. Dès qu'on travaille, on est toujours actif, on est toujours actif, on dort 4h30 la nuit, on a le temps de faire des milliers de choses dans la nuit. Dès qu'on est en vacances, on a dormi 8h la nuit, on sent quand même encore lourd à bouger, à tirer la patte. D'accord ? C'est normal, c'est une grande règle. Chez nous, V7, Cholem et Haïm, spécialement dans la digestion en plus, dès qu'on change de V7 d'ordre de mode de vie, tout de suite on commence à tomber malade. Donc la femme elle peut dire, moi j'aime bien ma petite vie avec ma petite maison, j'ai mon petit stress dans le truc, au lieu d'avoir une grande maison, je change de mode de vie complètement, ça m'intéresse plus. Ça c'était pour la première Mishnah. Comme je l'ai dit, dans la prochaine Mishnah on va s'intéresser à savoir de passer des Israël en Chutz La'aretz, mais pour le moment on a le Barthénois qui nous donne des notions quand même très très importantes. Que aussi il y a un élément qui prend le dessus sur tout, c'est d'abord deux choses. Quelqu'un qui s'est marié, c'est fréquent avec les mariages mixtes, si je peux dire, israélien-français, ou alors dans ce cas-là, le mari a le droit à un moment, après quelques années. Imaginez un Israélien qui se marie avec une Française, il va vivre quelques années en France, après il peut l'imposer, aller me repartir en Israël, parce que c'est mon lieu natal. C'était évident qu'un jour j'allais repartir dans mon lieu natal et pas rester à l'étranger. Et donc dans ce cas-là, elle a l'obligation de suivre, sinon il lui donne le guet sans ktouba. Et encore un autre problème, au bechol makom, on fait même changer dans toutes les situations, à partir du moment où on est dans une ville où il y a rov goïm, et on veut partir dans un rov Israël. La majorité de goïm, je l'impose de partir maintenant vivre dans une ville beaucoup plus juive, elle me suit. Par contre, le contraire, une majorité de juifs à une majorité de goïm, elle refuse dans toutes les situations. Après, on verra dans la prochaine Mishnah, on en parle dans la Gemara, plus on en parle dans les Mefarshim elle-même, pour Eretz Israël et
et Chutz La'aretz, il y a plus de goyim en Eretz Israël ou plus de juifs en Chutz La'aretz. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, vous savez.